pour faire ce bandeau, je vais utiliser la laine au kilo. Je vais utiliser sur deux. Normalement, j'utilise un crochet 3 ou 3,5 pour la travailler, mais là, je vais utiliser un crochet numéro 6,5 pour faire ce bandeau au crochet tunisien. Donc, le crochet tunisien, j'ai un crochet tunisien comme ça. Il y a différents crochets. Moi, mon crochet, c'est un crochet numéro 5. Il ressemble à un crochet ici, mais ici, il ressemble à une aiguille. D'une aiguille à tricoter. Regardez, ça, c'est sa taille. C'est le numéro 5 que j'ai. Il ressemble à un crochet. Mais là, je ne vais pas l'utiliser pour ce travail, puisque c'est seulement un bandeau, et je vais utiliser que 16 mailles. Donc, je vais utiliser ce crochet numéro 6,5. Vous utilisez le crochet qui convient à votre fil. Donc, on commence par faire notre nœud. Je fais mon nœud, et là, j'introduis mon crochet, et je vais faire 16 mailles. Quinze et seize. Voilà, j'ai 16 mailles. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Normalement, j'introduis mon crochet pas dans la première. Je saute la première maille, je vais sur la deuxième, j'introduis mon crochet et je tire le fil. Donc, je vais faire ça pour toutes les mailles. On introduit le crochet, j'introduis le crochet, je fais un jeté, je tire le fil. Et je garde les mailles sur le crochet. Je garde mes mailles. Bon, allez, continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà, j'ai 16 mailles sur mon crochet. Alors, on commence je fais un jeté et je laisse tomber la première. Je fais un jeté. Pardon, on fait un jeté et je laisse tomber les deux suivantes. Donc, un jeté, on laisse tomber les deux suivantes. Un jeté, les deux, ainsi. Juste la première qu'on laisse qu'une seule maille, qu'on laisse tomber qu'une seule maille. Le reste, on fait un jeté et on laisse tomber deux. On va deux par deux jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule maille sur le crochet. Ça, c'est le point de base. C'est le point de base du crochet tunisien. Il est très facile. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule maille sur notre crochet. Voilà la dernière. J'arrive à regarder ce qu'on obtient. J'en obtiens des fils verticaux. Ces fils verticaux, c'est sur ces fils qu'on va travailler. J'introduis mon crochet dans le fil vertical et je fais un jeté. J'introduis mon crochet, je fais un jeté et je garde les mailles sur mon crochet. Voilà, regarde. J'introduis mon crochet dans ce fil vertical, je fais un jeté et je tire une boucle. Voilà, j'introduis un jeté, je tire la boucle. Et ainsi de suite. C'est ce rang qu'on va répéter. Jusqu'à la fin. C'est les fils verticaux, juste ces fils verticaux qu'on voit là. Et on introduit le crochet dans ce fil vertical, un jeté, je tire et je laisse la boucle sur le crochet. Pour toutes les mailles, on fait la même chose. Et là, la dernière, on tourne le travail. Vous avez deux fils là. On s'introduit sous ces deux brins, sous ces deux fils. Et un jeté, et on sort une boucle.
Voilà. Il faut compter nos mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc on avait commencé avec 16 mailles. Il faut garder toujours les 16 mailles. On fait un jeté et on laisse tomber la première boucle. Un jeté et on laisse tomber les deux boucles suivantes. Après, on va juste la première, on laisse une première boucle, une boucle, une seule. Après, on laisse tomber deux par deux. On les fait tomber deux par deux. Vous faites un jeté et vous laissez tomber deux boucles. Vous introduisez et on les laisse tomber. Voilà, comme ça. Voilà, je fais mon jeté, je m'introduis dans les deux boucles et je les laisse tomber. Comme ça. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule boucle sur votre crochet. Regardez ce que ça vous donne. Après, là, vous voyez qu'il y a plein de trous. Mais plus on continue, plus les trous vont se fermer comme au premier rang, vont être comme ça. Là, quand vous faites comme ça, ben je me suis dit la première fois, oh, il y a plein de trous. Mais après, non, il reste pas. Donc, là, j'ai encore les fils verticaux. Hein, ils sont là, mes fils verticaux. Regardez. Donc, c'est facile. Alors, j'introduis mon crochet sous le premier et je fais un jeté, je tire une boucle. Je vais sur l'autre, le suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Encore une fois. Pour un bandeau, c'est facile, hein? On continue juste droit. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Après, regardez comme je disais, hein, les trous qui se ferment. On ne les voit plus comme avant. Mais là, quand vous travaillez sur le rang, sur le moment, il y a plein de trous. Mais après, non, ils descendent. C'est très joli. Ça va être très chaud. Donc, on continue. On continue jusqu'à la hauteur souhaitée. D'abord, on continue sur ce rang. Et ensuite, on fait comme on avait fait tout à l'heure. On commence par laisser tomber une boucle, puis deux par deux, et on recommence le travail. Et on continue à travailler comme ça jusqu'à la fin. Quand on arrive à la dernière, on tourne le travail, on a les deux là qui forment la maille, les deux brins. On s'introduit dessous et je fais un jeté et je sors une boucle. Voilà. Et vous comptez vos mailles, ne laissez pas, vous devez toujours avoir le nombre de mailles que vous avez fait au départ et vous continuez. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un jeté, laisser tomber la première boucle, un jeté, laisser tomber deux boucles jusqu'à la fin du rang et puis on s'introduit encore une fois sous les fils qu'on aura. Et on refait ces deux rangs et on travaille jusqu'à avoir la hauteur souhaitée pour votre bandeau. J'ai fini. Je vais vous dire combien j'ai fait. Je vais mesurer. Je l'ai pas encore. J'ai essayé sur ma tête. Pas. Donc là. J'ai 56. 56, donc. 55. J'ai 55 cm. C'est 55 cm. Et j'ai pas, j'avais fait le dernier rond et coupé le fil, mais je voulais le refaire avec vous. Donc, le dernier rond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé comme on avait dit, comme on avait dit au début. Et le dernier rond, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le fil, j'ai introduit le crochet et j'ai fait comme ça et j'ai fait des mailles coulées. Parce que vous voyez là, si je laisse comme ça, il y a ces trous. C'est pas très joli. Alors j'introduis le crochet ici et je fais une maille coulée. Je vais faire des mailles coulées jusqu'à la fin. Et comme ça ferme les trous.
Donc, vous terminez et vous coupez le fil en le laissant, laissez le fil long pour pouvoir coudre. Après, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié. Hein, mon fil, il n'est pas très long, regardez. Il n'est pas très long, mais vous laissez le fil long pour pouvoir coudre avec. On va coudre ensemble. J'aime bien quand ce crochet, ce travail de crochet tunisien, on dirait que c'est des tissus, c'est tissé. C'est différent du crochet normal. Voilà, je termine. Je fais que des mailles coulées. Voilà, j'introduis le crochet et je fais sortir les deux boucles et la dernière aussi. Voilà. Regarde, et comme ça a deux faces. Donc, si ça avait deux, si les faces étaient identiques, on aurait cousu sur n'importe laquelle. Mais là, comme il y a deux faces, ça c'est la face interne et là c'est l'extérieur. Donc, je vais prendre comme ça et je vais coudre avec l'intérieur, la face à l'intérieur. Et je vais faire comme ça. Regardez. On va faire comme ça. Et comme ça. Les deux bouts, on introduit l'un dans l'autre. Et là, dans ce fil, le fil long qu'on avait laissé, si vous laissez le fil long, vous l'introduisez, moi il n'est pas très long vraiment. Donc, je l'introduis dans mon aiguille. Et je vais commencer la couture. Donc, on fait comme ça. Et je vais faire des points comme ça qui passent sur les quatre petits bouts. Les quatre parties. Donc, j'introduis dans la première maille. Ici et ici. Et enfin, là. Je reviens sur la deuxième maille. Je vais sur la troisième maille et ainsi de suite, je vais faire ma couture. Introduisez votre aiguille dans toutes les mailles. Et là, ce fil-là, je peux faire comme ça. Ou le coudre après, je peux le laisser pour après. Vous revenez, vous renforcez votre couture et c'est tout. On le fait comme ça. Ça peut être un cadeau de dernière minute que vous préparez en quelques. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est rapide à faire. Je continue à coudre hein, pour cacher ces fils et après
vous tournez votre travail et vous avez votre. Hein, j'introduis les fils, hein, je vais les cacher après. Et vous aurez votre headband très joli. Je vais cacher les fils et on se retrouve. Notre headband, notre bandeau chauffe-oreille est maintenant prêt. J'ai caché tous les fils, hein, on ne voit plus rien. La couture, elle est là. On ne voit rien, je l'ai retourné, on le retourne, faites comme ça, et ça y est, votre bandeau est prêt. C'est vite fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps, donc et c'est joli, c'est différent du crochet habituel, et c'est assez joli, je trouve. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un commentaire, et si vous l'avez vraiment aimé, aimez mes explications, faites-le moi savoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.